La pratique du sport pour effacer les différences. Au lycée des Établières, ce jeudi après-midi, les élèves de l'IMEA d'Apeyaria de La Roche-sur-Yon et une partie des élèves du lycée des Établières mélangent les équipes. L'occasion pour chacun, sur des ateliers sportifs et artistiques, de passer au-delà du handicap. On a pu voir un peu que c'est pas si différent que nous et ils ont pu jouer avec nous comme nous. C'est sympa. Le mieux, c'est de les mettre à l'aise en fait tout de suite. Enfin, on aime bien. Enfin, moi, je trouve ça bien en fait. Ça les aide pour beaucoup de choses dans la vie. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas facile tous les jours pour eux. Favoriser l'inclusion par la pratique du sport et sensibiliser au handicap, c'est le but de cet événement organisé par le lycée et l'IME. Une partie des jeunes a également pu rencontrer un peu plus tôt dans la journée des athlètes vendéens, valides et non valides. Moi, il y a 15 ans, quand j'étais à leur place, on ne parlait pas de handicap, on était un peu dans la masse. Moi, je commençais à découvrir mon handicap, on était dans la masse, il fallait se débrouiller un peu tout seul. Et maintenant, on voit que la parole, elle est beaucoup plus libre et que le handicap n'est pas vu comme une personne extraterrestre. Des discours inspirants pour ces adolescents. Ce qui est bien, c'est que on peut faire du sport même si on est à des difficultés. Et c'est bien pour notre classe, parce que si on a des difficultés et qu'on veut faire un sport comme eux, on peut. Moi, je trouve ça impressionnant déjà, la force et le courage. Ouais, c'est le mental même, genre le fait qu'ils disent on est capable de faire quelque chose. Leur détermination, c'est vraiment inspirant. Quoi. Un moment de partage et de convivialité sans compétition. Seule l'inclusion termine sur la première marche du podium. Bravo.